arriver incessamment tout de suite. Voilà. Alors il va venir nous parler du nucléaire, ça va être le deuxième volet de, de son intervention parce qu'il a déjà fait une intervention il y a un mois et il y aura un troisième volet dans quelques temps. Mais on veut aussi parler de l'actualité. Donc on va peut-être commencer par l'actualité, on n'avait pas prévu, mais bon voilà, hein, comme il n'est pas là. Donc euh, effectivement, euh, euh, aujourd'hui on va parler de deux choses, donc du nucléaire avec Alain qui va arriver, Alain Vol. Et puis on va parler de l'actualité parce qu'il y a des choses qui nous semblent complètement insupportables. Et donc euh, la première chose, on va vous mettre un son, le son d'un étudiant qui s'exprime d'une étudiante. Nous, on est euh, militants pour la liberté, pour euh, l'arrêt des massacres. Euh, et on ne se laissera pas instrumentaliser, en fait, et on ne se laissera pas euh, salir par l'extrême droite. Justement, et vous vous laissez pas instrumentaliser non plus par, euh, par l'extrême gauche, par les insoumis. La France insoumise, on a vu des, des élus de la France insoumise qui sont présents sur place. Ce ne sont pas eux qui, qui téléguident cette manifestation bah, euh, Ces députés, ils nous soutiennent. Et nous aussi, on les soutient dans le fait qu'ils sont réprimés aujourd'hui, comme Rima Hassan, comme Mathilde Panot. La réalité, c'est que ce pas une mobilisation euh, seulement de la France insoumise, c'est une mobilisation étudiante qui est auto-organisée qui s'est euh, coordonnée à partir des comités palestines euh, et qui par ailleurs euh, est aujourd'hui euh, très indépendante politiquement euh, qui revendique euh, l'arrêt des, des massacres et la fin en fait du génocide. Voilà, alors cette intervention de cette étudiante était là pour nous expliquer que en fait, les étudiants partout dans le monde, donc tenez-vous bien, ils sont pas, les américains ne sont pas instrumentalisés par LFI. Non, euh, non, non. Pas, pas encore, hein. pas non, non. Pas encore. pas encore. <laughs> voilà. Et donc euh, partout dans le monde, eh ben il y a des étudiants euh, comme en 68 euh, pour le Vietnam qui se mobilisent et qui disent euh, arrêtez le massacre, quoi. C'est complètement fou. Alors c'est vrai qu'il y a une espèce de dérive politico médiatico -ju -judi -ju judiciaire. Hein, judiciaire. On ne sait pas trop jusqu'où ça peut aller mm. parce que on, en plus du Pont qui a fait, qui a pris cet arrêté le 10 octobre, donc peu, en fait, trois jours après. Il a, il a écrit une, une, il a fait une circulaire qu'il a envoyée aux magistrats du parquet. Et dans cette circulaire, euh, il dit :« Je préfère lire pour être bien précise, oui. hein, pour donner des informations oui. factuelles. Hein » euh, Après les attentats du Hamas, donc le ministre de la Justice eric Dupond-Moretti a signé une circulaire disposant que la tenue publique de propos vantant les attaques du mouvement islamiste entre guillemets, en les présentant comme une légitime résistance à Israël, devait faire l'objet de poursuites. Bon, » okay. Voilà. Donc c'est clair. Oui c'est clair voilà et donc à la suite de ça tout est bon. Bah, à Dans la le cochon tout est bon. Voilà hein donc à la suite de ça on a assisté à des centaines de, de convocations euh, ouais. à la police. On ne sait pas trop ce que ça va donner au niveau des juges. Hein. On ne sait pas trop comment les juges bah vont... Si, on, on sait déjà pour le, le syndicaliste. Là, pour ce sûr. syndicaliste qui a été condamné à un an de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende. Mais il y a un, un recours qui a été déposé. Donc ouais. euh, on attend, on va voir. Non, enfin, maintenant, si notre État euh, bascule dans le, la mise en cause d'un syndicaliste, c'est parce qu'il a osé écrire un tract. Il a un donné, ouais, il fait, a donné des éléments hein. d'histoire, de, de, en fait. Il, oui. a, il a resitué dans, il a donné des éléments de contexte. Voilà. Oui, on donne des, des, des éléments d'histoire, mais on a aussi le droit, disons, euh, le droit quand même dans un État tel que nous avions en France, de penser quand même. Hein. Penser, c'est quand même la liberté. Quoi. Euh, on a quand même le droit de penser librement et d'exprimer et d'avoir même des différences dans nos points de vue. C'est la démocratie. C'est exactement ce que dit euh, donc le. Euh, donc le, le, le... Président, j'espère que je ne me trompe pas de titre, de, de, du Conseil national euh, cons, euh, consultatif des droits de l'homme. Hein. Il, il suite à la, la circulaire que, que Dupont-Moretti a signée, il a écrit un courrier. Il lui a écrit un courrier à lui. Euh, et il dit euh, Je m'inquiète que cette circulaire ait pu engendrer une confusion entre l'approbation ou l'éloge d'un crime. Et ou des criminels, et des prises de position relatives au contexte dans lequel ils ont été commis. Ces derniers s'inscrivent dans un débat d'idées et devraient par conséquent pouvoir bénéficier de la liberté d'expression. Ben oui, voilà. Voilà. Alors c'est très grave parce que je trouve qu'il y a un basculement complet euh, sous prétexte électoral parce que quand même il faudrait ramener les choses appeler un chat un c'est hein. à dire que parce qu'on est en, en période électorale et eh ben euh, on, en fait on a on a tout fait pour instrumentaliser justement les événements et pour dire euh, la gauche la je sais pas j'ai envie de dire la vraie gauche c'est à dire le NPA LFI euh, des groupuscules qui euh, qui qui ont toujours été dans dans la dénonciation de, de ce que peut faire un gouvernement quand il est trop à droite. Et, et là, on est en train de parler de dérive hein, qui, qui va vers l'extrême droite. Oui, oui. À tel point qu'on s'est retrouvé quand même avec un nouvel arc républicain. Moi, je savais pas que c'était possible, mais si, 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 l'arc républicain, souvenez-vous quand même. Ouais, faut ça, le ça semble un non-sens. Ça semble un non-sens. Oui. Il hein faut le recontextualiser. L'arc le, républicain, au départ, c'est pour dire plus jamais ça à la Shoah donc c'est tout un ensemble de gens qui disent euh, non c'est pas possible que l'extrême droite à un moment qui pourrait euh, revendiquer le fait qu'il y a un ennemi intérieur hein, comme ils l'ont toujours fait alors avant c'était le judéo-bolchévique maintenant c'est l'islamo-gauchiste hein, voilà ça a complètement changé hein, euh, l'histoire du rends compte quand même 80 ouais. ans d'histoire ça, ça évolue oh, hein, là. Hein, <laughs> voilà. et ben donc euh, là l'arc républicain euh, théoriquement qui était là pour dénoncer justement euh, des dérives ou où on met sur le au banc de, de la société des gens euh, bah maintenant euh, cet arc républicain bah, il va de Glucksmann à, à reconquête à, au RN quoi. Ouais. Voilà. et qui c'est qu'on met sur au banc euh, bah j'ai le temps de lire oui. le, le petit communiqué les, qui avait les, été les fait. Gauchistes. donc euh, c'est le communiqué qui avait été publié par le groupe parlementaire euh, LFI Nupes euh, et euh, j'ai envie de le lire parce que je voudrais quand même que tous les gens qui entendent que euh, donc c'est pour ça que Mathilde Panot est condamnée hein. c'est pour ça que Mathilde ah, Panot ah, est condamnée pas, pas sept condamnée, mois pas, après euh, non pas condamnée convoquée convoquée convoqué. convoqué, oui convoquée c'est pour ça qu'elle est convoquée sept mois après les faits et en pleine euh, période électorale oui. voilà donc je lis L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Nous déplorons les morts israéliens et palestiniens. Nos, idées vont à toutes les... Nos pensées vont à toutes les victimes. L'escalade actuelle risque d'entraîner un, cir... un cycle de violence infernale. La France et l'Union européenne et la communauté internationale doivent agir sans délai pour empêcher cet engrenage. Dans l'immédiat, il faut obtenir un cessez-le-feu et la protection des populations. Toutes les parties doivent revenir à la table des négociations. Pour qu'une paix juste et durable voie le jour, les résolutions de l'ONU à commencer par la fin de la colonisation doivent être activement mises en œuvre. Nous devons tous et toutes œuvrer dans ce sens. Voilà. Alors, je vous laisse euh, juge de savoir si là dedans il y a un quelconque, une quelconque apologie du terrorisme. terrorisme. À, avant d'aller sur un, un petit sujet que Alain voulait nous développer sur sur la façon dont le libéralisme peut dériver, euh, je voudrais juste vous dire que ce matin, un médecin qui s'appelle Hassan Abou Sita, j'espère que j'ai pas massacré son nom, euh, a été interdit euh, d'entrer en France à l'aéroport Charles de Gaulle. Il devait parler au Sénat. Il était invité par le Sénat, mais les Allemands ont émis une interdiction d'entrée sur le territoire européen d'un an, et donc il n'a pas pu rentrer sur le territoire français parce que ce médecin était là, a été... À Gaza, a vu tout ce qui s'est passé et vient dénoncer les, le massacre, quoi, parce qu'il y a un massacre. Hein euh, on ne pourra témoigner. pas dire qu'on n'était pas au courant, quand même. Il y a un massacre. Alors, tout ça, ça se passe aussi pour légitimer quelque part un, un fonctionnement, euh, c'est-à-dire, on est, on est dans un fonctionnement économique où euh, on est, euh, comment dire, euh, euh, dominant sur le reste du monde. Par exemple, notre libéralisme hein, euh, est là, euh, très très puissant et il explique au reste du monde qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et Alain, tu voulais nous parler du plein emploi qui arrive. Oui, le plein emploi, euh, c'est disons, on, on a parlé un petit, on a parlé tout à l'heure de l'Allemagne. C'est vrai qu'ils ont pratiquement le plein emploi parce que il y a quasiment, euh, disons, plus personne qui est au chômage. Il y a des des temps partiels euh, de trois de heures par jour ou deux heures par jour. Euh, euh, donc la personne, du moment où elle bosse euh, un minimum comme ça, eh bien, elle est plus du tout reconnue. Et nous, on, ils ont ils trafiquent constamment les, les chiffres. Les chiffres sont revus. Donc lorsqu'on compare dans l'histoire, dans dans sur plusieurs années nos chiffres du chômage, on entend aujourd'hui des politiques qui disent on va arriver au plein emploi. Mais pas du tout. Il y a, de, il y a toujours un nombre, disons, croissant, malheureusement, hein, de, de chômeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un chômeur Il faudrait le redéfinir. Moi Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas d'emploi, qui, qui pourrait travailler, qui, qui aimerait travailler et qui ne trouve pas d'emploi qui lui correspond. Alors bien sûr, si le mec il est médecin et qu'on lui dit tu vas faire plombier, peut-être qu'il en a pas envie. Et le plombier, quand on lui dit tu vas aller opérer un mec, il a peut-être pas envie non plus. Hein. Euh, et ça c'est quand même logique. Hein, c'est-à-dire avoir un métier dans ses compétences. Hein. Et, et, et voilà, les politiques trafiquent les chiffres, les accommodent, disons, pour un libéralisme euh, plein emploi. Oui, il y a des gens qui vont, euh, disons, très bien vivre. Euh, très bien vivre. — Un libéralisme qui est dominant sur toute la planète et les pays du Sud en subissent les conséquences. Alors c'est vrai qu'on avait un sujet qu'on a dit qu'on allait ouais. développer et Alain est arrivé et donc euh, on, voilà, excuse-nous Alain, on a commencé dans l'autre sens de notre émission ouais. et donc euh, aujourd'hui tu viens faire ce deuxième volet sur le nucléaire, tu viens nous expliquer aussi des choses. Sur... <laughs> oui merci, merci de me redonner la, la parole. Bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis donc le porte-parole du collectif Stop Tricastin et je suis membre de Greenpeace. La dernière fois, j'avais insisté sur le fait qu'il <coughs> n'était pas raisonnable de vouloir prolonger les vieilles casseroles euh, du Tricastin euh, et qu'il n'était non plus euh, pas du tout nécessaire d'implanter des EPR 2 dans une zone sismique active. Mais en fait, <coughs> aujourd'hui, je voudrais élargir un peu le, la chose et. En fait, quand on voit que le gouvernement nous impose une relance massive du nucléaire, euh, on peut se poser des questions. Alors, nous sommes inquiets, mais on peut se poser des questions. Et en fait d'abord le gouvernement nous impose ça, mais ce n'est pas un choix démocratique. Hein non, il nous l'impose. Il n'y aura pas de débat au Parlement le, sur, sur tout ça. Ça a été complètement chanté. Et en fait, la, la question c'est est ce qu'on peut envisager l'avenir nucléaire de la France, l'avenir énergétique de la France, pardon, euh, sans nucléaire? Parce que d'une manière ou d'une autre, euh, sortir des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, conduit à une électrification des usages, que ce soit les transports, le chauffage ou l'industrie. Mais est-ce qu'il est possible de le faire à l'horizon 2050 sans nucléaire Eh bien, cette question a été étudiée dans trois scénarios de transition énergétique qui ont été publiés en 2022. C'est une espèce de coïncidence, ils ont tous été publiés dans la foulée. Le premier, c'est RTE qui est une filiale à 50% d'EDF. De Attends, je, je t'arrête. Alors, la, la réponse est, est-ce qu'on peut en sortir d'ici 2050 euh, J'y arrive, pardon. <laughs> pardon. Donc, j'y arrive. Donc, euh, a, cette question a été posée et il y a trois, trois groupes, trois groupes de, de scientifiques qui y ont réfléchi. RTE, l'ADEME, Agence gouvernementale de la transition écologique, et Negawatt, un organisme indépendant. Eh bien, je réponds à ta question. La bonne nouvelle, c'est que ces trois scénarios montrent qu'à l'horizon 2050, un mix énergétique 100% renouvelable est possible. Et j'avoue qu'on a été bluffé quand on a vu que même RTE, filiale d'EDF, admettait que parmi toutes les options possibles, à base de nucléaire, de renouvelable, il y avait une option 100%, 100 renouvelable. RTE qui est en fait celui qui achemine euh, l'électricité. Hein, oui, c'est ça, c'est le réseau transport énergie. C'est donc c'est les lignes 200 000 volts, 400 000 volts. Inédit, c'est reprenons le relais après pour ouais. amener le courant chez les particuliers. Alors, le le principe du 100% renouvelable, donc, n'est pas une lubie, parce qu'on dit les écolos et NégaWatt le portent depuis longtemps, euh, c'est pas une lubie, puisque c'est tec techniquement réalisable, sans entraîner de blackout, c'est-à-dire sans risque de devoir effondrer le réseau, puisqu'il faut toujours sur le réseau électrique que l'offre corresponde à la demande, sinon le réseau s'effondre et, et c'est la, la cata. Donc, je vais simplement prendre en compte euh, deux scénarios, euh, RTE d'un côté et Négawatt de l'autre, puisque en fait euh, le scénario de l'ADEME est un mix des deux. Donc vrai, je vais ah oui. juste m'intéresser à, à ces deux-là. Alors RTE, le gestionnaire de réseau du transport d'électricité haute tension, a présenté donc six scénarios de production d'électricité pour 2050. Si tous prévoient d'atteindre la neutralité carbone, la moitié font la part belle au nucléaire qu'il y a beaucoup de nucléaire, un peu de, de renouvelable alors c'est des, 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 des mixtes un peu variés et d'ailleurs ceux d'entre vous qui voudraient découvrir ce scénario, il suffit d'aller sur internet et de taper RTE scénario de transition énergétique et vous aurez tous les détails. Donc ils ont, des, ils ont fait des simulations mais ils avaient un scénario qui disait qu'à l'horizon 2050 c'était possible de le faire tout en avec que de l'énergie renouvelable. Ah oui, donc même RTE. Même RTE. Sauf que RTE, en fait, ils ont, euh, ils ont émis des hypothèses qu'on peut discuter. Euh, D'abord, euh, ils nous disent que le scénario basé sur 100% d'énergie renouvelable serait le plus coûteux. Ce wow. qui se discute complètement, puisque à l'époque, mmh. les 6 EPR2 qui étaient dans la, dans la musette, ils étaient annoncés à 46 milliards on était en 2022. En 2023, c'est passé à 51,7 milliards. Et là, en 2024, les échos viennent de sortir un nouveau chiffre. On est à 67 milliards. Donc, on est dans une dérive comme pour Flamanville. Donc, euh, et ceci sans compter les frais financiers. Ça veut dire qu'en gros, les 6 EPR qui nous annoncent... On sera très proche des 100 milliards. Et gardez ce chiffre en tête. En fait, est-ce que RTE est complètement libre de, de sa parole ou est-ce qu'ils auraient envie de nous. Eh bien, amener nous pensons euh... qu'en qu en fait, RTE a sorti ce scénario à ce moment-là pour préparer le discours de, 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 de M. Macron, puisque Macron s'est appuyé sur ce scénario mmh. d'RTE quand il a fait son discours de Belfort où il a annoncé le lancement des 6 EPR2. Donc. RTE roule, roule vraiment pour le, pour le gouvernement et roule vraiment pour le nucléaire. Il n'y a, a, a pas de souci. Euh, il, alors ce qu'il disait aussi RTE, oui, on peut... On peut se passer des, des, des nouveaux réacteurs, mais ça impliquerait un développement des, des énergies renouvelables très rapide, plus rapide que la, la moyenne dans les pays européens actuellement. C'est vrai qu'on a beaucoup de retard et qu'il faudrait aller vite. Mais déployer des éoliennes ou déployer des panneaux solaires, ça se fait relativement relativement rapidement quand on quand on en a envie, tout en, en ayant bien ah. entendu discuter avec les gens qui vivent autour. Alors, c'est vrai que les, les éoliennes, c'est controversé. Hein. Il y a quand même des gens qui disent que les éoliennes, bon, alors, ça, ça, ça impacte l'environnement visuel et auditif. Enfin, alors, c'est possible d'avoir un dérangement visuel avec des éoliennes. Sauf que je préférerais. Que... Avoir un dérangement visuel plutôt qu'un nuage radioactif au-dessus de ma tête qui m'amène à, à être évacué et à ne jamais revenir. Après, c'est un choix qui se fait. Oui. Et ce que je veux dire d'ailleurs à, à tous mes amis écolos qui des fois se montent vite au créneau sur des, sur des, des, des parcs photovoltaïques ou des, ou des parcs éoliens, oui, bien entendu, il faut qu'il y ait un consensus. Mais je voudrais rappeler quand même que l'intérêt général, éviter la catastrophe nucléaire, c'est pas forcément la somme des intérêts particuliers. Et qu'il faut que chacun le prenne en compte. Oui, c'est vrai que des fois on abat des arbres, mais on peut en replanter. C'est vrai que des, c'est vrai qu'il vaut mieux mettre les panneaux solaires sur des toits ou des hangars ou sur des toits, ou sur des sur des parkings. Mais euh, ou, mais il faut aussi faire la part des choses. Si on n'avance pas dans ces sur ces énergies renouvelables, euh, on va se garder, on va nos nos réacteurs nucléaires forcément. Donc euh, il y aurait peut-être des financements qui pourraient être futés à, à trouver justement pour les toits des maisons modernes, et avec systématiquement leur proposer des panneaux. Oui, des des il, toits, y a des, il y a des choses qui se passent. Alors, il y a même des paysans dans la Drôme qui ont, qui ont réfléchi et qui en fait ont proposé de, des désamiant parce que les, les, les toits des hangars sont parfois très anciens. Donc, en fait, ils proposent de désamianter leurs leur, leur toitures oh, et de les remplacer ouais. par des toitures avec des panneaux photovoltaïques. Donc là, c'est deux en un. Ah oui, Donc, il y a des solutions. C'est gagnant-gagnant. Oui, c'est gagnant-gagnant. Euh, Juste pour dire qu'effectivement, euh, euh, RTE disait aussi, mais oui, si on fait beaucoup d'énergie renouvelable, il faudra accroître le pilotage de la consommation, développer les interconnexions, les moyens de stockage, et puis avoir des centrales thermiques au biogaz pour les heures pour les de pointe. Oui, tout ça, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre que d'implanter de, des EPR qui vont prendre 10 ou 15 ans pour être, alors qu'on est en urgence climatique. Donc, le RTE, même si effectivement ils ont fait le lit du projet de M. Macron pour les EPR, ils ont quand même admis que techniquement c'était possible d'avoir un mix électrique renouvelable à 100% à l'horizon 2050. Maintenant, c'est une question de choix, hein, la question financière. Euh, on, on peut citer l'exemple de ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale et les investissements énormes qui ont été faits justement au moment où on construisait les, les centrales nucléaires. Et donc à ce moment-là, l'État a mis les moyens et a, et a créé tout le réseau. Donc, euh, aujourd'hui, euh, on pourrait très bien décider d'investir massivement, mais c'est une question de, de choix politique. Tout à fait, et tout à fait. Et d'ailleurs, bah, j'allais y arriver sur ce. Sur ce sur ces... Parce que les 100 milliards qui sont prévus pour, pour implanter 6 EPR2 dans les, dans les 10-15 ans qui arrivent, ces 100 milliards, on pourrait les mettre sur d'autres choses. Et Négawatt, effectivement, euh, le, 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 le présente très bien. Négawatt, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un scénario de transition énergétique qui est qui est renouvelé tous les cinq ans et l'idée de base en fait c'est d'économiser l'énergie c'est-à-dire que euh, on est dans une on est dans une, une gabegie d'énergie eux ils disent il faut d'abord commencer par l'économiser et donc ils ont trois piliers euh, un sobriété sobriété énergétique on change son comportement deux efficacité énergétique c'est-à-dire que pour la même pour la, 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 la même satisfaction de besoin on utilise moins de courant électrique et en particulier là-dessus, eux, ils, sont, ils, sont, ils axent beaucoup leur, leur, leur transition sur le, la rénovation énergétique des bâtiments. Parce que ça, c'est un, un point absolument majeur. Et quand on a pratiqué la sobriété et l'efficacité énergétique, donc la rénovation énergétique des bâtiments, on a divisé, divisé par deux la demande en courant électrique et les 50% qui restent, on peut les produire avec des énergies renouvelables en les combinant entre elles. Et essentiellement le solaire et l'éolien, qui combinés entre elles viennent compléter une base hydraulique et une base euh, biogaz, biogaz avec la biomasse bien entendu. Et en fait, le, 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 ils insistent aussi beaucoup sur la, la rénovation énergétique. Alors, justement, les 100 milliards qui sont, qui sont prévus pour les EPR, si on les investissait sur la rénovation énergétique des bâtiments, ça serait fabuleux parce qu'actuellement, il y a 6 à 7 millions de passoires énergétiques, avec 8 à 12 millions de personnes en précarité énergétique. Et les rénovations énergétiques qui sont faites actuellement, ce sont des rénovations par geste, c'est-à-dire qu'on change le système de chauffage où on isole les murs, où on isole le toit, où on, où on met une, une ventilation double fût. Alors qu'en fait, Negawatt propose de faire des rénovations complètes, c'est-à-dire qu'on fait tout en même temps. Alors ça coûte, un peu, ça coûte de l'argent, puisque une rénovation complète, c'est 40 000 à 60 000 euros pour un F3 ou une maison. Mais par contre, votre facture d'énergie est divisée par 4. Ah oui. Donc, si le gouvernement mettait les 100 milliards, disait à une banque, euh, distribuer l'argent... Euh, comme aux gens qui en ont besoin. En fait, ce serait un tiers financeur. La banque prêterait l'argent, les 30 000 ou les, ou, les, ou, les 5, ou les 50 000 euros nécessaires. Les gens feraient les travaux, ils réduiraient, ils diviseraient par quatre leur facture d'électricité. Et s'ils payaient 2 000 euros par an, par exemple, d'énergie, avec les 1 500 euros, ils pourraient rembourser la banque qui a fait l'avance. Oui. C'est ça l'idée. Mmh. Mais naturellement, le gouvernement euh, n'est pas très intéressé par ça. Mmh. Alors, euh, euh, juste une petite question. Euh, moi, moi j'entends je, bien tout ce que tu dis c'est vertueux et on, on va, on va vers, forcément vers du mieux, avec, surtout avec le, le, le scénario Négawatt que tu viens de nous dire. Mais en face, on a quelqu'un comme Jean qui nous explique à tour de, à tour de vidéo que euh, voilà, il la solution nucléaire est quand même très très bien. Alors, euh, Jean j'y viendrai, mais avant, je voudrais quand même juste souligner euh, dans, le, dans le scénario Negawatt quelque chose de, de très important. Oui. Parce que les opposants aux énergies renouvelables ils arrivent toujours en nous disant, ouais, vous êtes bien gentils, mais quand il n'y a pas de vent, il ben, n'y a pas de courant et pas avec les éoliennes, et quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de courant avec les panneaux solaires. Sauf qu'aujourd'hui, c'est faux, puisqu'on sait parfaitement stocker l'énergie solaire et l'énergie éolienne, qui est en trop des fois. Parce qu'en fait, négawatt en le propose depuis des années, mais maintenant, ça devient opérationnel. Euh, quand on a trop de courant électrique, ou quand on a trop de courant à base d'éoliennes, on décompose de l'eau par électrolyse et on obtient de l'hydrogène. Cet hydrogène, il peut être stocké. Et quand on en a besoin, on le recombine avec du CO2. Et là, on obtient du biométhane. Ce biométhane, on le met dans les, dans les tuyaux de gaz habituels. Et donc, le, quand on en a besoin. Alors, ouais. le, le, le gaz, il peut être stocké dans des, gazo dans des gazoducs et des gazomètres, hein, comme le, il se mélange au gaz habituel. Et quand on en a besoin, on récupère ce biométhane. Et on, par co-génération, on fait soit de la chaleur, soit du courant, soit du courant électrique. Donc aujourd'hui, on sait stocker de grandes quantités d'énergie solaire. C'est une, une grande nouvelle, ça Oui. Parce que c'était oui. l'obstacle. C'était l'obstacle. Et donc là aussi, il faudrait investir beaucoup sur ces notions de stockage. Mm -hmm. oui, je tenais à préciser euh, ça. Jean parce que... lui, je crois, dit par rapport à l'hydrogène, hein, qu'on dépense euh, autant, disons, voire plus d'énergie pour déjà euh, arriver à, à, à avoir de l'hydrogène. C'est-à-dire, il faut déjà faire la dialyse, quoi. L'électrolyse. L'électrolyse, pardon. Oui, l'électrolyse. Euh, et donc déjà, ceci est, 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 gén... enfin, ne génère pas, mais au contraire euh, prend, euh, demande à, de créer de, 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 de l'énergie. Enfin. Moi, je ne suis pas, je ne suis pas technicien ça. et scientifique, ouais, ouais, ouais. mais effectivement, aujourd'hui, il y a des déperditions mmh. quand on quand on quand on prend l'énergie solaire, on la décompose en hydrogène, on la recombine avec du CO2 et qu'après, par cogénération, oui, il y a de la perte, mais c'est en train d'avancer puisqu'aujourd'hui en Allemagne et en France. Il y a des, pro... c'est même plus que des prototypes puisque Engie a mis en place à, à près de Marseille un, un, un outil qui s'appelle Jupiter et, <laughs> et, qui a, et qui injecte déjà des mètres cubes de, bio, de, de, de biométhane dans le dans le réseau. Bon, voilà. alors, alors Jacobici... jean suis désolé mais on arrive à, au terme de l'émission là, tu oui. vois Alors il faut que tu nous trouves une petite formule rapide pour eh bien finir. Alors, pour conclure, pour conclure, nous n'avons pas besoin du nucléaire pour sauver le climat. Le nucléaire est une énergie du passé. Une énergie dépassée et la relance du nucléaire n'est pas une fatalité, mais plutôt un choix de société, donc un choix politique. Et je j'en je, profite puisqu'on est à la veille d'élection pour vous dire qu'il n'y a que deux partis qui effectivement sont pour la sortie progressive du nucléaire et qui sont ok pour le scénario NégaWatt. C'est Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Oh, mais ils sont pas dans leur République, hein. C est, c est... <laughs> bon, alors. Et jean Covici, désolé, mais ouais. je pour nous, c'est un camelot. Euh, qui dit des choses bien, mais qui est un négationniste en ce qui concerne le nucléaire. Quand on l'entend dire qu'il n'y a pas eu de mort à Fukushima et pas une mort à Tchernobyl, on tombe de notre chaise. Il euh, y a eu des milliers de morts. Mais bon, euh, le, le, le nucléaire tue à petit feu et y a des, il faut des fois deux ou trois générations avant que. Euh, bon, oui, les comptes sont difficiles à, à faire. Mais bon. À bientôt À bientôt T Tenez ah. le coup Ne tombez pas des chaises <rire> <rire>